Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de câbles secteurs pour l'amplification. Alors c'est plus particulièrement deux câbles, le GPS Lab Pack Black, qui est un câble américain, et puis un câble qu'on monte, qu'on assemble de notre côté à partir de Furitech, qui s'appelle le Magic Furitech L3. Alors d'abord, parler du GPS Lab Pack Black. C'est un câble que j'ai découvert il y a un an. Et c'est rigolo, c'est un client qui me l'a envoyé en fait, à tester. Et ça a été un coup de cœur immédiat. Qu'est-ce que j'aime dans ce câble-là? C'est vraiment tout de suite, boum, ça s'assoit. Ça descend la balance tonale en bas avec une énorme assise. C'est vraiment jouissif, c'est plein, c'est rempli. Et ça, c'est vachement important parce que dans nos systèmes aujourd'hui, ça a plutôt quand même tendance à monter, à fatiguer, à aller vers le haut. La démat, c'est un peu décharné quand même si ce n'est pas bien travaillé. Donc lui, il facilite les choses, il descend tout en bas. Ce qui est super avec le GPS aussi, c'est qu'il marche. Alors nous, on l'a avec nos Kinky par exemple, il marche très bien avec tous les transistors, mais il marche bien avec aussi des amplis à tubes, chez nous, le Lab 12 ou un Ion, enfin, on peut tous les citer. C'est un passe-partout, très très intéressant. Et puis, bon, faut reconnaître quand même que c'est un petit budget, donc on a une solution moins chère avec le Magic Furitech L3. Pas facile de présenter des câbles comme ça. Et alors, la différence, on n'aura pas avec le L3, vraiment la descente aussi profonde en bas, ça c'est... Moi, je ne connais pas d'autres câbles qui font comme lui. Mais on a quand même un super beau grave en bas. Et puis en haut, on est quand même... Il y a une très belle une douceur, la douceur de chez Furitech, une très belle ouverture, un très beau soyeux en haut. Je dirais même plus de lumière sur celui-là que celui-là. Celui-là, il a vraiment la vocation de nous amener tout en bas. Pas d'enterrer, hein, mais de vraiment faire redescendre et de tout poser. Donc, il est plutôt bas et puis médium. Celui-là, il a vraiment. Il travaille sur toute la bande passante. Il a vraiment ce petit truc en plus de cette douceur en haut qui est très agréable. Donc, celui-là, il marchera très bien aussi sur les classes D, sur les classes AB, sur les tubes, dans un moindre budget que le GPS Lab Pack Black. Voilà, c'était ces deux câbles, sont des valeurs sûres. Je vous les conseille vraiment pour votre système. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo et je vous dis à bientôt.